Car vous le savez, il n'y a pas de grande métropole, de métropole attractive européenne avec un rayonnement à l'international sans un centre universitaire et de recherche fort. Le projet Cordial pour Coronavirus Detection est basé sur un capteur électrochimique modifié avec des nanobodies de lama. L'objectif du projet, c'est de dévoiler de nouveaux mécanismes de manipulation de la lumière dans des puces micrométriques. Donc dans des le projet puces est centré sur l'analyse structurale et chimique de matériaux à une échelle. Le groupe humain et le sel, évolution culturelle et sociale de la production et de la consommation de sel depuis l'Antiquité. C'est avec une historienne qui est également directrice de l'école de. Pas pourquoi, mais je me sens plus à l'aise avec les cours. On peut voir les autres facilement, voir l'enseignant, voir les camarades, les collègues. La mobilité dans l'espace et l'accès à plein d'outils numériques. L'innovation pédagogique est un défi à multiples facettes qui nécessite un travail interdisciplinaire. C'est pourquoi la chaire est étroitement liée au projet l'e-learning lab qui a présenté juste avant. Et la grande question des enseignants, c'est la suivante. Je veux pouvoir, dans mes pratiques pédagogiques, dématérialiser une partie de ce qui fait mon enseignement sous la forme de contenu numérique. Le projet s'intitule « Développement d'une plateforme et d'un EPA, environnement personnel d'apprentissage pour un management responsable et créatif ». Les dispositifs mis en place. Il y a quelques années est apparu un nouveau type de formation en ligne, les MOOC ou les MOOC, donc Massive Open Online Courses. Le but est d'ouvrir un cours à des milliers d'apprenants. Le projet ChampiBot, c'est un projet qui consiste à automatiser la cueillette des champignons dans un espace confiné. Donc l'un des objectifs de notre unité à l'Institut Pasteur de Lille est de concevoir les médicaments de demain dans des domaines thérapeutiques comme le cancer, les maladies métaboliques. Nous travaillons sur la chicorée et nos objectifs sont de créer de nouvelles variétés de chicorée afin de valoriser les produits issus de la chicorée. Dans le cadre de la prestation de traitement, nous avons souhaité travailler avec l'UMET pour revaloriser certains matériaux des écrans plats. On travaille déjà ensemble avec l'Université de Lille pendant plus que 10 ans. Mais le Pearl et le Troisi, ça nous permet d'aller à une autre échelle. Together, we will explore the role of HNF1-alpha in the regulation of glucose homeostasis with a particular emphasis on HNF1-alpha modi. Our project concerns the role of novel monoclonal antibodies that target tau protein in Alzheimer's disease, and we want to see if these antibodies. What this project will in essence do is have a look at how the legal system has to be adapted in order for Internet of Things to make a more sustainable economy possible.
The idea of the 3i University Network is to bring people together on common challenges, because of course cooperation encourages innovation and creativity, and we want to connect players from the entire value chain.